Soon, they'll starve. And the machines meant to help us are out of control. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer toutes les meilleures offres qui se trouvent actuellement sur le PlayStation Store. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres, que ce soit pour des jeux PS4 ou PS5. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Et on commence cette sélection avec Cyberpunk 2077, le jeu de CD Projekt Red, qui a vu pas mal de joueurs revenir sur le jeu depuis la diffusion de la série Cyberpunk Edge Runners sur Netflix. Et on a droit à une très belle offre sur le jeu, puisqu'il est disponible sur PS4 ou PS5 au prix de 24,99€ au lieu de 49,99€. Donc ça fait quand même une réduction de 50%, sachant qu'il y aura également une énorme extension pour le jeu qui s'appelle The Phantom Liberty, qui va arriver dans le courant de l'année 2023. Donc voilà, ça peut être une bonne occasion de se faire le jeu avant l'arrivée de ce fameux DLC. He burned down half the city just to prove he was right. And burned the other half just for fun. What do you want? On est un petit peu dans la même configuration pour Horizon Forbidden West, puisque la version PS4 est disponible à 39,89€ au lieu de 69,99€ sur le PlayStation Store, donc ça fait 43% de réduction tout de même, et je vous conseille vivement de craquer pour cette version PS4, puisque vous pourrez l'upgrader gratuitement vers la version PS5 sans avoir à acheter une version PS5 de base qui est plus chère que la version PS4. Et pourquoi je dis que c'est la même configuration que Cyberpunk? C'est parce que là aussi on va avoir une grosse extension qui va arriver en 2023, qui s'appelle The Burning Shore et qui sera uniquement disponible pour les joueurs PS5. Machines of war. Whatever secrets he has, he's keeping to himself. And the solution I need is broken and scattered. On enchaîne à présent avec Dying Light 2 Stay Human, un jeu sorti le 4 février 2022, il y a presque un an, et qui est un survival horror dans lequel vous allez devoir survivre dans un environnement peuplé de zombies. Et ce qui importe aussi dans ce jeu, c'est les choix que vous allez faire qui vont avoir un impact sur l'histoire, mais aussi sur le level design du monde et sur la relation que vous allez entretenir avec les autres personnages et les autres clans se trouvant dans le jeu. Donc voilà, c'est une histoire qui est quand même assez prenante, et le jeu est disponible à 34,99€ au lieu de 69,99€ sur PS4 et PS5, donc ça fait 50% de réduction quand même. I stopped caring about anything. Give up on life, but you. You still care. Drop him. One move and he dies. Drop him. Alors personnellement, ça faisait plusieurs années que j'avais pas touché à un jeu de voiture, vraiment ça faisait très très longtemps, et Need for Speed Unbound m'a un petit peu réconcilié, on va dire, avec le jeu de voiture, puisque j'ai quand même passé quelques heures sur ce titre que je trouve au final pas si mal que ça du tout. C'est même plutôt un bon jeu de voiture avec un aspect cartoon assez prononcé, mais voilà, si vous aimez cet aspect cartoon, il y a des chances que vous appréciez le jeu puisque la conduite est quand même très satisfaisante. C'est un titre qui est sorti il y a quelques temps, il est sorti le 2 décembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series, et aujourd'hui on se retrouve avec une belle offre, puisque l'édition Palace, donc qui correspond un petit peu à l'édition Deluxe, est disponible à 44,99€ au lieu de 89,99€, donc 50% de réduction. On enchaîne avec un titre que beaucoup d'entre vous connaissent et beaucoup d'entre vous ont fait également, Resident Evil Village, évidemment le dernier opus en date de la célèbre franchise de Capcom, le Survival Horror. Le jeu est disponible dans la version PS4 ou PS5 à 19,99€ au lieu de 39,99€, donc ça fait quand même 50% de réduction pour ce titre qui est très très bon, même si c'est vrai que la dernière heure du jeu peut laisser quand même à désirer, surtout pour les plus grands fans de la franchise. Mais voilà, dans la globalité, ça reste un très bon titre avec des passages véritablement forts, notamment dans la maison Beneviento, mais évidemment je ne vous en dirai pas plus. There you are. Ce titre-là, c'est un jeu qui a particulièrement fait partie de mes coups de cœur de l'année 2022. Alors, c'est pas un énorme jeu qui est un triple A ou autre chose du genre. C'est un tout petit jeu fait par un studio français et qui vraiment m'a tapé dans l'œil. Je parle évidemment de Stray, je pense que vous l'avez reconnu avec les images. Et du coup, Stray est disponible à 23,99€ au lieu de 29,99€ sur le PlayStation Store. Donc, ça fait quand même 20% de réduction. Et c'est évidemment un titre qui vous pousse à incarner un chat et à retrouver vos compagnons dans une ville un petit peu cyberpunk et particulièrement coloré.
NBA 2K23 est disponible depuis le 9 septembre 2022 sur PC et console. C'est évidemment la meilleure simulation de basketball qui est sortie à l'heure actuelle. Et l'édition Michael Jordan, qui est un petit peu l'édition deluxe, profite également d'une grosse promotion sur le store PlayStation, puisqu'elle est disponible à 39,99€ seulement, au lieu de 99,99€. Donc ça fait quand même 60% de réduction. Faut savoir que cette édition, elle comprend plusieurs bonus, évidemment, par rapport au jeu de base. On a notamment des points et des jetons pour l'expérience My Team. On a aussi des bonus de compétences pour My Carrière. Également quelques tenues et cartes supplémentaires qui feront en sorte que voilà, vous ayez un petit peu plus de contenu au prix d'un jeu de base, puisque à moins de 40€, c'est quand même une très belle offre. Dans Sniper Elite 5, vous incarnez Carl Fairburn, un tireur d'élite durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, pour ce cinquième opus, vous allez tout simplement vous rendre en France, où vous allez devoir lutter contre les troupes nazies et les plans du Führer, évidemment. Vous allez avoir des références notamment au débarquement allié via plusieurs missions. Donc voilà, c'est une expérience qui est assez cool, c'est clairement pas le jeu de l'année, mais c'est un titre qui se joue très très bien et qui est disponible du coup à 35,99€ au lieu de 59,99€. Donc ça fait quand même une réduction de 40% sur le PlayStation Store. We've done our job. I'm coming for Operation Kraken and for you. Meine Tage aus dem Ozean erheben und Zerstörung. On enchaîne à présent avec le dernier survival horror en date de studio Supermassive Games. Je parle évidemment de The Quarry, qui du coup nous raconte les événements qui vont se dérouler pendant une soirée où les moniteurs d'un camp de vacances vont profiter d'une dernière fête, sans enfants à gérer évidemment et personne pour leur empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais malheureusement, ça va évidemment tourner au cauchemar et à partir de là, vous allez vivre quelques aventures particulièrement horrifiques. Et vous allez devoir tenter de faire survivre un maximum de personnages, évidemment. Le jeu, du coup, est disponible à 37,49€ au lieu de 74,99€, donc 50% de réduction. You guys don't do kumbaya anymore? Et on conclut cette vidéo avec un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous ai d'ailleurs proposé le test du jeu sur la chaîne Jeux Vidéo Magazine. N'hésitez pas à aller le voir. Il est disponible à 44,99€ au lieu de 59,99€, donc 25% de réduction. Je parle évidemment de Evil West, le dernier jeu des créateurs de Shadow Warrior, qui adopte ici une approche du gameplay relativement similaire, mais qui se rapproche aussi de celle d'un God of War au Far West. Vous allez affronter pas mal de vampires via des combats qui sont particulièrement viscéraux et dynamiques. Et voilà, c'est une expérience qui se prend pas trop au sérieux mais qui est vraiment très très plaisante. Voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire concernant les plus belles offres disponibles actuellement sur le PlayStation Store. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de quelles offres vous allez profiter. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la partager, la liker, vous abonner à notre chaîne et également activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier ou numérique de Jeux Vidéo Magazine. C'était Adrien pour JVM. Ciao tout le monde.